Claude Chopard-Lallier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de Home Rental Service, un nom anglais pour une société française. Absolument. Qui fait quoi ? Alors, qui est spécialisé depuis 1992, c'est la 15e année cette année, dans la location temporaire d'appartements meublés à Paris pour une clientèle plutôt d'affaires. Donc c'est pour ça que c'est un titre anglais, parce que ça s'adresse plutôt à des gens, à des étrangers en fait, des anglophones notamment. Oui, une clientèle internationale très, très cosmopolite. Ouais. Comment est-ce que vous recrutez alors ces appartements meublés ? Comment est-ce que vous constituez cette base ? Alors, très curieusement, nous n'avons aucune démarche commerciale dynamique. Tous les jours, des propriétaires nous contactent et souhaitent nous confier leurs appartements. Et ça peut être par le biais de, d'Internet beaucoup aujourd'hui. Il y a un site au Rental Services. Évidemment. Et puis on le trouve. Oui. Mais est-ce qu'il y a certains critères à remplir, j'imagine ? Oui, je dirais 1 localisation, 2 localisations et 3 localisations. D'accord, la taille, le standing n'importe pas trop. Évidemment, nous sommes à la recherche de beaux appartements, plutôt bien placés dans le centre de Paris, dans l'ouest parisien, du plus petit, du studio jusqu'aux 5-6 pièces, des appartements qui peuvent faire environ 150 ou 200 mètres carrés. Combien ça se loue en fait ? C'est à la semaine ? C'est un marché à la semaine au moins ? Voilà, une semaine minimum, séjour d'une semaine minimum. Donc prenons un studio dans le 16e arrondissement. Voilà, 35 mètres carrés minimum, bien placé donc, équipé, meublé puisque nous fournissons tout le linge de maison. Le ménage est fait une fois par semaine, c'est un forfait qui inclut en fait tout. Eh bien, il faut compter pour un séjour d'un mois par exemple, environ 70 euros par jour, tout compris, sans frais supplémentaires, ce qui nous amène à environ 2000 euros par mois. Oui, c'est pas très cher en fait. Hein. Non, mais c'est l'avantage de la formule. Pour des séjours moyens, c'est moins cher que l'hôtel. Ah, c'est beaucoup moins cher que l'hôtellerie. Et plus cher qu'une location classique en non meublé en fait. Voilà, et des appartements encore une fois sont équipés, avec des cuisines entièrement équipées. Ça vous permet de recevoir éventuellement des amis. Vous êtes chez vous, intégré comme un véritable parisien. Mais alors si ça coûte aussi peu cher, quel est l'intérêt de celui qui le loue en fait, l'autre côté de la chaîne ? Alors, nous... Combien je touche moi si j'ai un studio de 35 mètres carrés dans le 16e ? Voilà, pour nos propriétaires... Que vous louez de 2100 ? Alors, évidemment, tout ça est variable par rapport au produit, mais disons... Mais sur cet exemple, le studio, 70 euros par jour, combien alors, ça rapporte au propriétaire ? Alors, on va donner environ 1200 euros pour le propriétaire. Donc, presque la moitié. Voilà, un peu plus de la moitié, ce qui nous place quand même un petit peu au-dessus du prix du marché traditionnel. Combien au-dessus ? 20%, 25%. Voilà, 15-20% au-dessus, mais je crois qu'au-delà de l'aspect financier, il y a d'autres... d'autres intérêts comme la liberté de pouvoir récupérer son appartement quand on le souhaite, de l'occuper éventuellement et puis d'avoir quelqu'un sur place avec une équipe de professionnels de nettoyage qui sont salariés chez nous et qui entretiennent justement ces appartements. Vous avez lancé ça il y a combien de temps maintenant ? C'est la 15e année, depuis 1992 et aujourd'hui au moins tel est le numéro 1 leader sur la place de Paris. Et vous en êtes où en termes de nombre d'appartements, de parcs en fait ? On pourrait parler alors aujourd'hui, Home Rental Service propose environ 250 appartements, encore une fois, du studio aux 5-6 pièces. Et un chiffre d'affaires de combien de personnes ? Alors, chiffre d'affaires à 2 500 000 euros. Et aujourd'hui, j'ai 18 collaborateurs et collaboratrices. D'accord. Vous cherchez à vous développer ? Vous cherchez à vous implanter dans d'autres villes, à l'étranger ? Bien évidemment, c'est quelque chose qui nous intéresse. Dupliquer ce business model en région, dans les grandes villes de France, que peuvent être Marseille, Lyon, Toulouse. On y travaille évidemment activement. Est-ce que vous cherchez de l'argent pour vous développer ou est-ce Écoutez, que vous non, sur fonds propres absolument. Nous ne travaillons que sur nos fonds propres. Et ça se passe plutôt bien avec une progression régulière à deux chiffres depuis le début. Merci Claude Chopard-Lallier d'être venu nous présenter Home Rental Services. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.